Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo très intéressante. Oui, justement, on a fait donc le catalogue lanterne en stock, mais là on va faire le fichier descriptif et données techniques. Quand vous allez voir la quantité de pages actuellement qu'il y a dessus, ça fait beaucoup. Il y a une bonne petite quantité de pages, donc du coup là on va le découvrir et vous saurez la quantité de pages à la fin bien sûr de la vidéo. Et donc du coup, on va faire ça vite fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, beaucoup d'extraits de catalogue qui sont à peu près pareils, donc du coup on passera vite fait les trucs dessus, je vous montrerai la qualité de la de donc du truc, ça peut être intéressant. Donc on se dit donc à tout de suite, hein. Donc voilà, donc c'est parti, voilà, allez hop, c'est hop, directement c'est fait. Donc voilà, donc du coup on va pouvoir commencer donc sur la petite chose, donc le fameux fiche descriptif et données techniques. Donc voilà, donc le numéro 9 spécial 20 ans qui date du 25 août 2017. Donc c'est pareil, une nouvelle mise à jour, donc là en écriture bleue, avec plus tout le tableau en dessous, j'ai mis en annexe catalogue Mazda Guide 2001, parce que c'était trop chiant à renouveler les machins, tout ça, donc là j'ai fait sobre, très simple, donc là bien sûr les catalogues, donc le Mazda Guide également, donc qui fait plaisir et tout ça, donc voilà, donc la doc en question, voilà, donc le Mazda Guide, donc là on le retrouve dans toutes les pages de l'Estoril, hein, ça change pas. Donc voilà, donc on va avancer. Donc la Comet P qui date de 90, la doc. Voilà. Donc pareil, la Comet P, je vais changer les maps de Comet P. En 80, ça sera 92. Parce qu'en fait, là, il y a la Comet P, mais il n'y a pas la Comet P couleur. Et il manque des trucs, en fait. C'est pas complet, on va dire. La Comet L, par exemple, voilà, c'est ça. Mais vous voyez, c'est pas complet, vous voyez. Donc du coup, je referai ça proprement. Donc la Comet LV, pareil. Vous voyez, c'est... Il y a, voilà, donc c'est... C'est simple en fait, mais on va dire il n'y a pas tout quoi. Donc ça peut se refaire. Donc la Mazda Junior P, donc là c'est 2001, hein, bien sûr. Hein, c'est normal, hein, c'est le grand classique de l'époque de chez Mazda. La Module AP, bah 2001. Donc là, donc c'est pareil, les pages seront refaites, bien scannées. Parce que là je les ai fait à l'arrache vite fait. Donc après, donc la Module, donc c'est pareil. Là, c'est donc là la fameuse Macadam P. Donc c'est pareil, c'est donc là je mettrai sur le 92. Pourquoi? Parce que la Macadam est plus grosse. Voilà, donc je mettrai ça là-dessus. Voilà, donc ça sera bien de l'avant grand format. La Macadam G, la Modena qui date de 2005 ou 2003. Voilà. Donc le Mazda 80, donc là la Montebello. La Mazda 87 pour la Mazda solaire. Et oui, j'ai changé les docks. Donc après le Solaire 250 V1, la première version donc des années 80, c'est plus logique. Après la 250 normale, bon c'est de là donc. La 250 GR, ben, c'est pareil, hein, version grise. 250, ben, on refait encore une fois. 251, pareil en 87. Voilà, la doc en 87. Solaire 251, encore une fois. Solaire 400L, donc là, 400L, oh là. 400C2L, ah là par contre ça date de vieux. Ça date de 75. Donc voilà la petite doc de 75. Mazda Solar 490V ben, de 79. Donc la doc elle sera bien sûr refaite parce que là la doc elle est un peu penchée et il y a du bleu dessus. Mazda Refractor B, donc là c'est en 87. Mazda Refractor C c'est le 90. Je referai une photo du 92 pour plus de plaisir. Le P26 donc avec le catalogue de 65. Le 90 pour le fameux projecteur, donc là, le 400, le tout compte 4B, le 90, l'ARDAB, là c'est l'ARDAB, voilà. J'ai pas fait la modification sur l'autre, c'est l'ARDAB, voilà, donc sur le 2001, la SICAR 400, donc là tout ça c'est le 98, l'Aristi Beaumont, donc là qui date sur le catalogue 2005, qui est très chiant à scanner pour vous lire. Le Bill Bokeh, donc de 90, Agathe de 90, hein. Les boulots pâles, bon ça je vous passe les détails, c'est que tout du 98, hein. Tout ça c'est du 98, 98, hein. Voilà. La Mazda Kalao, donc là on a de la doc de 2001, la Mazda Lampada de 87, la Luna de 79, la Mazda Duke, donc je regarde bien, ouais, la Mazda Duke 18 watts de 90, voilà. La ROV 125 de 65. Voilà.
L'Aero V250 de 65. Voilà. La Mazda Boulogne. Alors ça, je vais rajouter de la doc sur ce truc-là. Mazda Palace 403, donc la fameuse doc. La 405 de 98. La Pluton de 79. La Mazda Cube. Oh, par contre, c'est intéressant. Mazda Cube, donc du BF125, donc de 79. Donc bien sûr, je referai ça proprement. La Mazda Coccinelle BF125, bon, des années 80, ça change pas. Le Coccinelle B de 90, bon, bien sûr, je ferai une photo plus propre. Voilà, donc même ça se voit, je le ferai plus propre. La Mazda 6 plan U, donc la 98, la Elan 400 des années 80, la S400, bon, c'est sûr. La Cosmolex 60R, bon, là, j'ai pas le choix, c'était celle-là qu'il fallait mettre, la 70. Donc voilà. 60P, donc là c'est les années 80. Donc pour la 60, Cosmolex 60 et la 40, c'est la même chose. La Spacior 60, ouais, c'est le 80. Voilà. Le 50, c'est le 90. Donc c'est pareil à refaire proprement. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Le EPA 400, donc là c'est le 80 qui sera bientôt rescanné prochainement. Voilà, ça fait plaisir. La EPA 250, c'est pareil. Donc voilà. L'AEPA 125, pareil, les années 80. L'AEPA 125, donc ancienne génération. Bon, là, c'est la même chose pour le 250 et le 400. Les Stellux, donc là, c'est la version 76. Donc, je remettrai proprement la version 76 dessus. Les Stellux 400, dessus, c'est les années 80. Voilà. La Solar 400 VP. Donc là, bien sûr, c'est la Solar 400 de l'époque de 80. Là, celui-là, la version là, c'est 75, donc avec le logo Projet Luxe. Donc là, j'ai la version comme ça, CV et CL. Voilà, vous voyez, on peut le voir. Je me suis fait plaisir, hein, vous voyez, hein, j'ai mis vraiment le truc. Hein. Là, c'est la 400 CV et là, c'est la 400 C2L, mais CL, voilà. Donc après, voilà, la moule écrit, bon, toutes les machines de Projet Luxe, j'ai pas les docks. La Gal Polaris, bon, c'est le 65, tout le monde connaît, le 65 de la bébé Gal. La Junior, c'est le 2001, la Mentor aussi. La Galaquila, c'est de 56, donc la bonne doc dessus, hein, ça fait plaisir. Donc, la Cadégal 80P, donc là, donc c'est pareil, la doc de 65. Après, la Tante Stritus, qui date de 98-99, enfin de la doc. La Tante Marianne de 99. La Tante Oracle, bon, bien sûr, c'est des années 2006, d'Oracle 2, qui date de 2006, donc là... Les Riviera, de toute façon, c'est tous les mêmes. Hein. De toute façon, il n'y a rien à dire. La Civic, pareil, hein, de 2004. Hein, donc après, 2004, la Civic 2. La Deco Street, c'est Deco Street 1. Donc là, bien sûr. Voilà, donc les Deco Street Europa, la Deco Street LB60. La Gotthard, donc là, la fameuse Gotthard, donc la lumière de tunnel. La West Q150, avec le doc qui date toujours de 2005, quasiment. L'avenue Déco de 2005. Donc, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de choses de cette doc-là, de chez Tank, qui est de 2005, 2006 ou 2004. Hein, c'est quasiment les bonnes années. L'avenue Déco, donc c'est pareil, hein, qui date de 2005. L'année là également qui date de 2005. La Boule 500 VP qui date de 85. Voilà. Donc la Tulipe, donc là j'ai aucun catalogue. La Tourne 92, la VM. Sur le temps de 92. La pilote T3R VCP de 90. Donc là, pareil, il faut que j'en fasse le scan proprement. La TR2 RVCP, donc là, de la pilote des années 80. Donc là, les docks sont récemment refaits. Pour que ce soit plus propre, pour plus de plaisir. Voilà. La fameuse PRTR25, la Lenny 7700, c'est pareil. Tout est refait proprement. La CA500. Donc là, on découvre la CA toute propre. Hein. Voilà, là c'est encore 500, donc là c'est la même chose, 500, là c'est la même chose. Là c'est à 600, bon c'est simple, c'est une belle photo comme ça. La DS50 toute propre également, DS50 VP pareil. Eurofan VM1, bon là c'est simple, hein, c'est comme ça, hein. Voilà. Et là par contre c'est le Eurofan 80 que j'ai mis dans le Holofan, parce qu'il est en meilleure qualité, puis c'est plus détaillé. Donc du coup là, Eurofan, donc VM1, voilà. VM2 qui est là. VM2, VM3S, voilà, VM3S, voilà, VM3, voilà, VM3 normal, TR1S, donc la Trafic 1, Trafic 1S, Trafic 1 ESR,
voilà, trafic ASR ou 2SR, trafic 2S ou trafic 2S, voilà, trafic 3S, voilà, trafic 3S. L'aérillage de sang qui date de 67. Holofan 55, c'est pour le 93 FC. Voilà. La Manoir, donc de 79. La EP14 qui date de 79. Voilà. Donc après, il y a la fameuse petite docle sur la, puis la, le flanc. La LT2 qui date de 65. La LT3 bis qui date de 67. Le 79, donc pour la BCU 21 ou la 22. Qui est refait intégralement aussi en doc, hein, qui est scanné proprement. Le 79, la LOV, voilà, proprement. La 3334L, le 79. Le Holofan 4440 qui date de 67. Et oui, déjà. Après, il y a la S400, donc la BF125, qui date de 79. La LC225 qui apparaît en 79. Hein, voilà. La LCP400 qui date de 80, voilà. La LCA501 qui date de 79, hein, encore là. Là, c'est la AK55, donc pareil. La LCA45, donc 79. La LF40 de 79. La Rouen qui date de 65, hein, la Rouen 2, 65, la Rouen 3, 65. La LF2.1, donc la balisage, donc là, ça date de 79. L'Éclatec, donc là LCH, donc là c'est de l'Éclatec de 76. Donc là voilà, donc on peut découvrir donc la LCH, la LCM qui date de 76. Voilà. La LCM 102, donc là de 97. Voilà. Donc après, voilà, donc l'Éclatec 76 de la LCO. La Éclatec 2013 de la Clip. Bon là par contre, Éclatec, vous allez voir beaucoup de 2013. Hein. Donc là c'est 2014. Éclaté Clip 34, hein, la Paléo, donc là c'est pareil, de 2013, voilà. La Éclat, bah 2013, hein. La Murena, bah 2013, hein. La Epriorytech, bah 2007 là par contre. La Indice, bah 2013, voilà. La Elite, 2013. La Rotec de, bah ça, ah tiens, c'est pas 2013, c'est 2007. Ah tiens, il y a une petite mise à jour à faire dessus. Donc la Austral 53, la 97, hein. Là pareil, la Austral 73, le 83, ça va être pareil, voilà. La 504, une petite doc, comme ça, photo toute sympatoche. La MR64, donc la doc de 76, pareil pour la MR83, la MR100. La BI, une doc justement de l'INPI, et oui, c'est ça, donc c'est de l'INPI, parution de Clatec 63. Donc là, une belle petite doc de la BS, la BI. La CP, pareil, qui est de la source INPI, qui date de 70. Après, la MIR 64V1, donc la doc de 76. Donc la MIR 64V2, donc là, qui date de 90. MIR 83, qui date de 76. Box MBH 83, qui date des années 97. Voilà, donc la Box MBO 83 qui date de 76. Voilà. L'éclaté K10 2100, ben 2101, donc là c'est 76. La 1083, j'ai aucun catalogue. La Steak 64, j'ai celui-là. Voilà, donc après la Steak 83, j'ai la doc récente. La Steak 101V1, donc là c'est le 76. Voilà, donc les docs intéressantes. La Steak 101V2, donc là, voilà. La Iguatec, j'ai pas de doc. Donc la Elitec, ancienne version. La nouvelle version d'Elitec. Donc là, je regarde un peu. Bon, là, les Meteorex, ça sert à rien, j'ai pas de doc. La Plaza de 76. La Bouboule Cuillère de 76. Le C51 en 2,76. Le Zenith de 97. Les Philips. Alors là, Philips Massilia 11, ça date de 89. Et ça que je comprends pas, la doc elle y est pas, non. Moi j'en regarde. Voilà, donc le truc, hein, donc la paf. Hein. Donc la masse il y a 9, hein, donc la masse il y a 11. Marbella 9, donc de 2004. Pareil, qu'il faudra que je scanne. Marbella 10, hein, Marbella 11. Comet LV, donc là c'est la Philips Comet LV. De chez Guy Lumière. Voilà, donc c'est pas mal. La Futurax.
des lumières cité sur musée, créé sur musée. Donc là, c'est le 96. Pareil à scanner proprement. Qui est prévu en même temps. Marina 10, bon là c'est le Mazda 80, le Philips 80 qui a de bonne qualité. Voilà, donc en bonne qualité, on peut le voir bien. Le dock, la Philips Marina 11, pareil, hein, de très bonne qualité. La NFA 10, pareil, rien à dire. NVF 625, de bonne qualité également. NVF 840. Bon là c'est simple, hein, NVF NU 140, bonne qualité également. NVF 125 aussi. 250, idem. NVF 1250, pas mal. NVB 11, là c'est de la bonne qualité. Là, NVB 12. SRS 201, ça faut que je les refasse. 201 encore là. Roissy 11, 2004. SRM, bonne qualité. TRM, j'ai pas de doc. NFR 80, le 65. NFI 65. LNH 30, bon c'est dans les années 50-60. Après, j'ai la Metronomis Torino. La Metronomis Cambridge. La Berlin. Donc là, c'est toutes les docks qui datent de 2011. Là, beaucoup de docks de 2011, bien sûr. Donc là, la Mini Iridium. L'Iridium 9. L'Iridium 10. Donc la version marron également. Et la version 2011. La version 11. La Mailouad. La Mailouad. La City Spirit Urbain, donc c'est pareil, qui date de 2011 et tout ça. La MVF 415, la MVSI, donc c'est pareil, la doc, je vais la mettre dessus. La Mascotte 10, qui date, donc, de... Là, celle-là, par contre, la doc, je l'ai. Là, je l'ai mise. Ça, c'est une doc qui est récente, là, que j'ai rajoutée. Voilà, donc la Mascotte 10, 11, donc c'est pareil pour celui-là. La Malaga 10, donc ça, c'est des docs que j'ai rescannés sur du PDF, qui ont une très bonne qualité. Urbana Lunaire et compagnie. Donc la HRP 11, j'ai pas la doc en scanner. La Charger 10, bon voilà. La HRL 10, c'est simple. Monaco 38, bon ça c'est connu. Hein. Rallye Saint-Genest 640, bon ça c'est la bonne doc qui est toujours là. La Ranier Light 650, ben, c'est la doc de 2012. Rallye 2012 pour la Tignia. Oh, là par contre j'ai vu qu'il y avait un bug. Donc je modifierai ça. Bah, de toute façon, je peux plus modifier. Trop tard. La modification est déjà faite depuis longtemps. Donc, je peux, ça sera. Bah, tant pis. Hein, pas grave. Je ferai la modification plus tard. Donc, la Tyria. L'atelier Trédo. Donc, là, bien sûr, la Signy, j'ai pas de doc. Dizano Climat, j'ai la doc. Voilà. La Dizano Tonal. Donc, la Dizano Tonal. L'Aiguzignarc. Voilà. L'Aiguzignarc Killed, donc de 2011. Refaite à neuf, l'Aiguzignarc JB, l'Indal JB. Voilà, donc après la l'Indal IVH. Hein. Donc toutes ces docks là, oh là, ça n'a pas changé. Hein. La Indal IVF. Voilà. La Visual IVF, la Orphée. L'Indal Jargo, la Souvenir. La Amandine. La Pionnier, la SMR, donc là c'est pareil, c'est une doc qu'il faut que je scanne. La Faber Lima, donc la Faber Kappa, j'ai pas de doc, mais là j'en ai. La Fivea Poister, faut que je regarde. La boule claire, la boule Selux. Voilà. La Shredder Z1, donc là, bon, j'ai pas besoin d'avoir une doc plus propre, puisque justement je l'ai en qualité là propre. Donc du coup, pas besoin de scanner ça. Le donc la Z2, Z3 qui est là. Voilà. La DZ15, j'ai mis de la doc plus propre. Voilà. La EZ, bon là j'ai pas de doc de la EZ. Hein. Là je suis désolé, je peux pas faire autrement. Et vraiment beau luminaire, donc c'est pareil, hein, scanner proprement. Voilà, donc après Onyx 2. Voilà. Donc Onyx 2, bon ça c'est Onyx 2, Onyx 3 c'est la même chose. Après nous avons la Saphir 2. Voilà donc la Saphir 1, Saphir 2, Saphir 3. Donc qui date de vieux parce que c'est encore la deuxième génération. Déjà. Voilà. Après nous avons la Saphir 2 encore là. Saphir 2 encore là. Saphir 2 encore là. La Fulgora, j'aurai bientôt de la doc. La Lura, bon ça c'est simple, hein, qui date de 2014. La Lura encore là. La Maya 1. La Maga 2.
Après, la Hestia, donc ça c'est toutes les docks de Shredder de 2006 et tout ça. Donc 2006, là par contre, j'ai la dock. Shredder, donc la Syntra, donc c'est pareil. Saturn 3S. Hein. Voilà, donc Saturn 3S. La Gemma, donc là voilà, la Gemma. La Nereus 2. La Nereus 2 LED. La MC1 des années 80. Voilà. La MC2. Donc là, on peut voir MC12, MC2, MC3. Donc là, on le voit bien. C'est la même chose. Donc là, il n'y avait pas justement de vasque MC2, MC3. Donc voilà. Donc ça, c'est la fameuse DM2 donc, de l'époque. Donc ça, c'est des années 80. Donc c'est sûr, c'est différent. Après, donc là, la DM3, c'est la même chose, hein, pas besoin de chercher chipoter. La GSO 2, donc là, la dog du GSO, qui fait plaisir, bon là, par contre, je l'ai pas scanné. Voilà. Shredder RX3, 400 watts. Hein. Pareil, si un jour j'ai l'occasion d'avoir cette dog là, ça serait pas mal. Donc après, donc là, VTC, donc là, bien sûr, toujours la même chose. Les Girardins, bon, ça n'a pas changé, hein, 74 énergie siège, j'ai simplement changé. Les estripages parce que justement ils étaient dégueulasses. Là je les ai bien scannés proprement. Après j'ai tambour, balle. Terrain Dricoval, ben, j'ai scanné les pages. Du coup j'ai de la doc. Voilà, y voilou. La GC Illumination, bon ça n'a pas changé, hein, toujours la même chose. Voilà, avec le semi-cutoff et compagnie. Donc là, la BBT AJ400, donc là. Par contre, les docks, ça se voit qu'ils ont été refaites. Là, donc la BBT, voilà, donc la BBT OJ, OVR, X-Align. Voilà, donc la BBT Zircon. La VR Corona, donc avec une dock. Voilà. Donc, ça, c'est une publication de grossiste. Là, pareil, là. La Coffer, bon, la Coffer, ça, j'ai pas de dock. La City Lux, j'ai de la dock. La Eclipse Mini Solstice et Bellafort, ça j'ai pas. La Riche Lanterne non plus, Elux non plus. Si la Kugel HT, j'ai la doc. Après, j'ai la donc la cale électrique. Hein. La Gruelle, j'en ai pas. CQRQM, j'ai rajouté ça. La Froggy, j'en ai pas. La ETX Isolante, j'en ai pas. La Orion, j'en ai pas. La Karen, j'ai ça. La ST1, donc là, j'ai rajouté ça en propre Europe. Là. Après la OV25, donc toujours les photos. J'ai pas de dock scanné. WEF. Hein. Là, la ZPY. Voilà, toujours scanné. Les Brand Bega qui a été refaite. Hein. La JT. Bon, ça n'a pas changé. Ça a été rechangé. La Vialta. Bon, c'est toujours pareil. La Ferrobel, pas de troc. Hein. La Clodopsta. Et parce que là, il y a la Clodopsta dans celui-là. Donc là, c'est les balisages que j'ai rajouté dedans, donc avec la doc. La Clodopsta qui est là, donc avec la doc encore. Les Gargamel, Trophinex, Samu, Tess. Les Garbarini, donc là, c'est avec les catalogues, bien sûr. Avec tous les machins, donc les PL et compagnie. Voilà la doc. Alors, j'espère que vous avez suivi parce que j'ai été rapide pour pas que ça fasse une vidéo d'une heure. Et donc du coup là donc c'est un peu tout ce que j'ai dessus. Donc je vous ai montré le grand classique parce que j'ai pas fait tout non plus. Et donc du coup ce qui fait c'est que voilà donc ça fait plaisir de voir ça en bonne qualité. Par contre pour info c'est pareil j'ai créé une nouvelle doc. Alors je vous la mettrai plus tard bien sûr. Et cette doc là justement c'est nouveauté, une nouveauté. Et donc du coup j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait. Et franchement c'est pas mal. Donc du coup, vous découvrirez ça bien sûr en image bientôt, parce que je ne l'ai pas encore sorti. Donc du coup, voilà, vous verrez ça. Donc le prochain coup, vous allez voir des trucs très intéressants. Donc vous verrez ça bien sûr, ça vous plaira. Donc on se tient au jus, donc on se dit ben, à bientôt pour une nouvelle aventure. Hein. Bah, fais pas faux. Hein.